Bonjour à tous, on se retrouve pour une petite vidéo. Je vais enfin résoudre mon 15x15. Vous inquiétez pas, je vais mettre la plupart des choses en accéléré et je vais le faire en plusieurs fois parce que déjà j'ai pas trop la motive de passer 3-4 heures d'affilée sur un cube. Et ensuite, bon, j'ai une vie de famille qui fait que j'ai des enfants et que donc pour moi c'est compliqué de rester 3 heures assis au même endroit sans avoir des sollicitations. Donc on est parti. Bon, mais voilà. Hop. 50 minutes pour le centre blanc avec une alerte pop. Donc la pièce n'était pas vraiment sortie, mais elle était à deux doigts de sortir. J'ai un petit peu transpiré parce que j'ai vraiment pas envie d'avoir remonté ce cube. Mais voilà, donc 49 minutes juste pour un centre. Je pense que on va tabler. On va pas être loin des 5 heures en fait. Allez, je prendrai ça plus tard, mon petit s'est levé de la sieste et j'allais passer du temps avec mes enfants. Hier j'ai fait le centre blanc, on est parti maintenant sur centre jaune. Donc, centre jaune, centre blanc, 1h30, j'ai encore mis 45 minutes pour faire le centre. Ça s'annonce vraiment long, mais c'est quand même super fun. Retour pour la suite, donc j'ai fait le rouge, le blanc, le jaune, le bleu, j'ai mis 3h10, j'en profite pour faire une spéciale dédicace à mon ami Victor Collin qui à mon avis ne regarde pas cette vidéo, il a bien raison parce qu'il n'y a vraiment aucun intérêt pour lui de regarder ça, mais vous avez un petit coucou de ma fille qui est en train de s'occuper de son bébé, qui avait pronostiqué que je ferais le 15x15 en 3h30. Donc là on a 3h10 seulement pour 4 centres et donc je vais continuer sur les deux derniers centres et j'ai peur que ce soit un petit peu long. Bon mais on se retrouve j'espère pour la fin, j'espère finir le cube en une seule prise. Mais il me reste toutes les arêtes à faire et après terminer. Alors le terminer ça arrivera assez vite. Les arêtes, je ne sais pas trop combien de temps ça va. J'ai dû faire une petite pause familiale. J'ai fait 8 centres, j'ai fait comme pour la technique de résolution Yo 5. Vous avez utilisé la méthode Yo sur le 5x5, donc j'ai fait mes deux ailes arrière. Et maintenant, donc, il me reste 4 centres à faire. Là, j'ai mis 32 minutes pour les 8 centres. Là, je pense que peut-être que dans une demi-heure, il sera enfin fini. Voilà, 5h18min 15s 76 centièmes pour résoudre le 15x15. J'ai mis
À peu près 57 minutes pour faire tous les centres et 3 minutes 20 quand même pour terminer la partie 3x3. Voilà. Merci à ma belle famille, donc mes beaux-parents et mon beau-frère qui m'ont offert ce cadeau pour mon anniversaire. Je renouvelle le merci à ma chérie parce que c'est elle qui en était à l'origine et à Thierry Datoukube. Voilà. C'était très fun, mais je pense que je vais le mettre dans ma collecte et que. Je ne vais pas le remélanger de sitôt. Voilà. Je suis très heureux de pouvoir me dire que j'ai résolu un 15x15. Je pense qu'on n'est vraiment pas beaucoup dans le monde à avoir résolu un aussi gros cube. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez réussi à regarder jusqu'à la fin parce que ça doit quand même être passionnant. Allez, bonne journée à tous.